Bonsoir à tous. Nous, on est dans le troisième cours où aujourd'hui on va parler des matériaux organiques polymères dans le concept des accumulateurs à ions lithium pour un développement durable. Ça va être une suite aux deux cours que nous avons eus. Le premier étant sur la synthèse des matériaux pour l'énergie, dans laquelle nous avions vu l'aspect expérimental et l'aspect théorique. La semaine dernière, nous avions vu l'histoire des accumulateurs et du supercondensateur. Et aujourd'hui, on va voir les technologies lithium-ion dans le cadre de développement durable. Le rôle des polymères et aussi, vous aurez une personne de l'industrie, de Récupil, qui vous parlera de tous les aspects de recyclage des accumulateurs. D'où, pour planter le scénario, eh bien, je vais rappeler que les accumulateurs, quels qu'ils soient, eh bien, se trouvent sous ces formes, c'est-à-dire qu'on utilise en ce cas des matériaux inorganiques qui sont basés sur des métaux, autant les composants que les boîtiers de cellules sont des aspects qu'on devra regarder dans le futur en termes de recyclage. Également, si on regarde la manutention de ces matériaux qu'on va utiliser pour les électrodes, eh bien, on a dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, on va avoir tout ce qui est des systèmes de broyage, de manutention des matériaux, et également, on devra utiliser tout simplement des méthodes haute température, méthodes céramiques, qui vont demander bien sûr une large quantité d'énergie. Alors tout cela eh bien, peut se résumer dans le cycle de vie d'un matériau d'électrode, ou si au jour d'aujourd'hui on regarde comment se font ces matériaux d'électrode, eh bien, comme je vous l'ai dit, on part de l'extraction des minerais, on va les purifier et ensuite il va falloir élaborer les matériaux par des méthodes haute température qui vont être très demandeuses en énergie. Et cela, bien sûr, va créer cette demande d'énergie dont vous parlez. Ensuite, eh bien, il va falloir recycler ces accumulateurs. Et pour recycler ces accumulateurs, là aussi, ce sera une étape qui va être très gourmande en énergie, d'où la nécessité, finalement, de regarder ce qui se passe et d'estimer ce qu'on peut directement avoir ou l'énergie nécessaire lorsqu'il va falloir fabriquer, par exemple, un kilowattheure de batterie. Vous avez ici ces chiffres qui sont un peu alarmants, dans lesquels l'énergie utilisée, qui provient d'ailleurs d'une source japonaise, dans laquelle l'énergie utilisée pour fournir ou pour fabriquer un kilowattheure de batterie eh bien, est de 227 kWh avec 80 kg de CO2 émis. Et à tout cela, eh bien, s'ajoutent bien sûr les problèmes dont je vous ai parlé la dernière fois concernant les ressources en cobalt et les ressources en lithium, dont le conférencier suivant vous parlera en plus de détails. Donc voilà, si vous voulez, la situation à l'heure actuelle, d'où il est vraiment impératif de faire des batteries à ion lithium plus écologiques. Alors pour cela, eh bien le système de rêve serait bien sûr la situation idéale, dans laquelle on pourrait utiliser des matériaux électrochimiques actifs provenant de la biomasse, qui seraient préparés selon les concepts de la chimie verte. Ensuite, l'assemblage pourrait bien sûr se faire à des températures ambiantes, ainsi que le recyclage. Vous voyez qu'en ce cas, dans ce cycle de vie, eh bien, le coût CO2 ou l'empreinte CO2 est pratiquement nulle. Alors, ce que je vous montre aujourd'hui, eh bien, c'est différentes voies pour tenter de réaliser cela. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé directement comment on peut, au niveau des matériaux inorganiques, via des procédés éco-efficaces, que l'on peut réussir à faire cela. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer l'approche organique qui sera séparée en deux parts. L'impact des monomères et des polymères dans la technologie lithium-ion, comment on les utilise aujourd'hui, à quoi ils servent. Et ensuite, eh bien, je regardais l'importance des molécules organiques, si on les choisit bien, pour des batteries ou pour le développement de batteries lithium-ion éco-compatibles. Donc, par conséquent, je vais parler fortement des polymères, de molécules organiques, et c'est la raison pour laquelle je vais permettre de faire un retour dans l'histoire pour vous cadrer un peu quelles ont été les découvertes essentielles qui ont finalement bénéficié au domaine des accumulateurs. Alors, si on regarde l'histoire des polymères, eh bien, il faut remonter dans les années 1822, avec les travaux de Bertoneau, dans lequel il a travaillé sur les dérivés de la cellulose et qui a planté, je dirais, les premiers travaux de la science des polymères. Ensuite, il y a eu la synthèse de molécules dont je parlerai plus tard, la polyaniline, le polypyrrol. Et enfin, on est arrivé en 1922, où là, je dirais, ça a été finalement une avancée au niveau scientifique, puisque Hermann Staudinger a finalement défini ce qu'était un polymère, qui était, c'est-à-dire, un matériau, une matrice, constituée de longues chaînes d'atomes tenues ensemble par des liaisons covalentes. Alors qu'auparavant, eh bien, la communauté pensait que c'est tout simplement des clusters de petites particules, des colloïdes, que l'on pouvait utiliser, mais de masse indéfinie et d'interactions inconnues. Alors ensuite, cela, eh bien, il y a eu des travaux très importants, notamment à Delaware, aux États-Unis, à DuPont, avec notamment cette personne de Carothers, qui est à l'origine de la synthèse du nylon, du néoprène, du polyester, des polyamides. C'est-à-dire une période très prolifique de 1930 à 1937, qui s'est arrêtée en 1937, malheureusement parce que cette personne si brillante se suicida 15 jours après avoir déposé son brevet sur le nylon.
Et cela a conduit finalement à, par la suite, l'âge plastique à des années 70, où là, ça a été finalement le développement intense de la chimie des polymères, l'industrialisation accélérée des fibres, des films. Je dirais, ça a été la période euphorique, si bien que la presse s'en est fortement médiée, et également au cinéma, vous aviez des films qui relataient de cet effet du plastique. Et à ce sujet, je vais vous présenter un film que certains d'entre nous, dont ma génération, ont certainement vu, qui est Le Graduate, dans lequel vous avez ici Dustin Hoffman et Mary Hamilton qui ont une discussion sur un problème scientifique. Are you listening? Yes, sir, yeah. Plastics. Exactly, how do you mean? There's a great future in plastics. Think about it. Will you think about it? Yes, I will. Enough said. That's a deal. So you see, everyone was believing that plastic was really the revolution, and the reason why you need to do something else. And this is more or less what happened after the 1970s, where a big discovery did occur. Oh, sorry. I switched an angle. Une grosse découverte arriva, dans lequel, dans ce cas, c'est un tournant de l'histoire des polymères, avec bien sûr la découverte du polyacétylène en 1974 par Shirakawa, mais cet événement le plus important a été la découverte en 1977 par le trio Shirakawa, McDermott et Eager, qui ont montré pour la première fois la possibilité de rendre des polymères conducteurs par dopage. C'est-à-dire que dans ce cas, ils ont dopé ces matériaux par voie électrochimique, créant un dopage P, et cela leur a valu le prix Nobel en 2000 pour ces travaux. Et je dirais que ces travaux ont vraiment débouché, ont lancé complètement la chimie des polymères conducteurs. Alors cette chimie des polymères conducteurs, elle repose bien sûr sur une certaine physique, dans laquelle je vais prendre là quelques minutes pour expliquer. Si vous regardez la structure d'un conducteur, comme la structure finalement d'un matériau inorganique, eh bien vous avez les bandes, les HOMO et les LUMO. Lorsque vous avez un niveau discret, lorsque vous augmentez le poids moléculaire, dans ce cas vous avez tous les niveaux qui vont converger pour déterminer des bandes, ce sont les bandes de conduction et les bandes de valence qui sont séparées tout simplement par un gap. Et bien maintenant, lorsque vous allez oxyder électrochimiquement un polymère, dans ce cas le polythiophène, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement sortir des électrons, créer des charges plus. Et vous allez créer, tout simplement, long des chaînes, ce que j'appelle ces bipolarons. Les bipolarons, ce n'est rien d'autre que des chaînes moléculaires ou des molécules qui contiennent deux charges positives, ces charges pouvant être tout simplement au centre de ces molécules ou alors aux extrémités. Mais cependant, ces bipolarons, comme le niveau discret, vont former des bandes dont le niveau d'énergie va tout simplement se situer au milieu du gap et va servir de médiateur pour tout simplement passer les électrons de la bande de valence à la bande de conduction et permettre une conduction électronique. D'où, c'est vraiment ça qui est à l'origine de tous ces polymères conducteurs. Alors, ces polymères conducteurs, eh bien, ils sont nombreux, c'est les molécules conjuguées et les molécules aromatiques. Vous avez ici le polyacétylène, vous avez ici les polythiophènes, tous ces aromatiques hétérocycliques, et également le polyaniline, connu sous le nom de PANI, que l'on va voir par la suite. Eh bien ça a révolutionné, si je peux dire, le domaine des accumulateurs, mais également le domaine de l'électronique et le domaine de l'optique. En effet, ces matériaux ont des applications dans les cellules solaires organiques en plein développement aujourd'hui. Les diodes OLED, qui sont les organiques LED électroluminescence diodes, dans les dispositifs électrochromes, dans les supercondensateurs dont on a vu la dernière fois, et bien sûr dans les batteries. Parce que rappelez-vous, si vous vous rappelez du premier cours, je vous ai dit qu'dans une électrode, il vous faut tout simplement des électrons et des ions. Jusqu'à maintenant, les polymères étaient des isolants. Si maintenant on peut faire un polymère conducteur, automatiquement, on va pouvoir tout simplement l'intégrer au niveau des matériaux d'électrodes. Et c'est effectivement ce que l'on peut faire, ce qu'on va voir. Dans ces matériaux, on va remplacer nos composés inorganiques par, tout simplement, des composés polymériques. Et ensuite, il y a également un électrolyte, et là aussi, il va falloir une conduction ionique, et on va voir comment on peut également utiliser les polymères, les électrolytes polymères, pour faire fonctionner un tel accumulateur. Alors, ayant défini cela, eh bien, je vais maintenant vous montrer ce que l'on peut faire au niveau des électrodes. Et je commencerai par des électrodes organiques, ensuite des électrodes composites organiques, pour poursuivre sur les polymères. Alors, si on regarde les électrodes organiques, eh bien, c'est la première fois que l'électrode organique a été utilisée pour les batteries. Ça retourne en 1979, à l'époque d'Eager. Et là aussi, c'était un engouement intensif, puisque si on regarde dans les journaux à l'époque, en 1983,
Eh bien, on prévoyait déjà que tous les matériaux, que la quantité de polymères conjugués serait spécialement utilisée pour développer des batteries lithium-polymères. Iger travaillait avec le polyacétylène, ce qui n'a pas très bien fonctionné. Cependant, une batterie qui a été commercialisée et le système polyaniline lithium perchlorate avec une anode en aluminium, lithium X aluminium. Et dans ce cas, vous voyez le principe de fonctionnement d'un tel accumulateur. La partie importante ici, vous voyez ici le polyaniline qui a été dopé, mais ce dopage, comme vous l'avez dit, va tout simplement engendrer l'attraction d'une molécule de ClO4- pour compenser par l'échange de l'électrode positive. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, vous avez finalement l'obligation de prendre en compte la quantité de ClO4- que vous mettez dans ces accumulateurs. Et si on regarde ici les capacités, bien on s'apercevra que les capacités sont relativement faibles, et de plus, les densités d'énergie, en raison où les densités énergétiques sont également relativement faibles, dues aux faibles densités de ces matériaux. D'où ça, ça a été les premiers travaux de 1987 qui ont conduit à la commercialisation depuis le bouton polyaniline lithium aluminium. Ensuite, bien sûr, il y a eu une période dans laquelle un grand nombre de matériaux ont été testés et on retrouve toutes les formules, les polymères conjugués que je vous ai mentionnés auparavant, le polyacétylène, polypyrrole, polyaniline et ainsi de suite. Vous voyez qu'en ce cas, les potentiels sont relativement intéressants. Cependant, les capacités sont une fois de plus très faibles pour la bonne et simple raison que dans ce cas, eh bien, le mécanisme implique la participation des anions dans l'absorption et la désorption tout simplement de ce dopage. Et enfin, il y a de faibles densités de polymères. D'où la nécessité de trouver des molécules qui puissent réagir avec le lithium par un procédé d'insertion et pas par un procédé dans lequel il y a absorption, désorption d'anions, comme indiqué ici, qui sont relativement lourds. Alors pour remédier à ces difficultés liées à ces matériaux, il y a eu l'approche que j'appellerais l'approche composite, dans laquelle, dans ce cas, ça consistait à mélanger des électrodes organiques et des électrodes inorganiques, le but étant, dans ce cas, eh bien, d'améliorer les performances en cumulant finalement la capacité de ces deux matériaux. Et ça, ce sont les travaux qui ont été effectués sur, par exemple, les oxydes de vanadium, dans lesquels, ici, on est venu intercaler un polymère conjugué, qui, dans ce cas, est le PIDOT, dont la formule est indiquée ici. Ces matériaux se préparent tout simplement par une oxydation dans un milieu avec la présence de dichlorure de fer, ou alors on peut des fois utiliser le matériau liquide qui va servir le rôle d'oxydant pour ces composés. Voilà les courbes électrochimiques. De nombreux travaux ont été poursuivis dans ce domaine, mais là aussi, il s'agit certainement d'une approche élégante, mais qui n'a aucun intérêt d'un point de vue pratique, car ça conduit à des électrodes de faible densité, peu stables en cyclage, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les approches qu'il y a eu au niveau de ces polymères conducteurs. Et dû à ce fait que les travaux, si vous voulez, n'aient pas conduit à des accumulateurs performants ou des électrodes performantes, eh bien, la recherche sur les matériaux organiques a été délaissée pendant une dizaine d'années. Et ce n'est qu'au laboratoire, sous l'impulsion de Philippe Oiseau, où on a regardé de nouveau ces matériaux en essayant dans ce cas des composés organiques polymères conjugués, bon, qui étaient capables de réagir avec le lithium selon des mécanismes d'insertion, qui pouvaient être élaborés par les préceptes à chimie verte et, selon son concept, d'électrodes renouvelables, c'est-à-dire à partir de la biomasse. Et dans ce cas, eh bien, la première famille de matériaux que nous avons regardé, c'est la famille des oxocarbones qui sont représentés ici, dans lequel vous voyez plusieurs molécules. Ces matériaux, ce ne sont rien d'autre, comme vous pouvez voir, que des carbones qui sont reliés à des oxygènes carbonyles. Vous avez ici 4 oxygènes carbonyles. On peut avoir des cycles à 6, 5, 4 et ainsi de suite. Et ça, c'est une très vieille chimie. Cependant, ces matériaux n'avaient pas été étudiés à l'exception de certains travaux de Michel Armand, de cela 10 ans, où il avait regardé certaines de ces molécules. Eh bien, on a repris ce travail et regardé au rhodisonate de lithium, dont je vous mentionnais maintenant les propriétés électrochimiques. Ce matériau, comme vous pouvez voir ici, eh bien, et qui contient 4 fonctions carbonyles, comme vous pouvez le voir ici, est capable d'absorber reversiblement 4 électrons, comme l'indique cette courbe, ce qui conduit à ce compte-là 4 électrons injectés dans une unité formulaire. Si on regarde en termes de puissance, bien ici on trace l'énergie massique en watts par kilogramme en fonction du régime, bien on s'aperçoit qu'à des régimes relativement lents, ce composé a une densité d'énergie qui est deux fois supérieure aux matériaux qu'on utilise aujourd'hui, qui sont lithium-CO2 ou lithium-FPO4. D'où définitivement, cela présente un intérêt très fort. De plus, ces matériaux peuvent être relativement stables à température,
Ce que vous regardez ici, c'est le comportement de la tétrahydroxybenzoquinone lithiée qui a été obtenue à 300 degrés C par traitement sous azote. Vous voyez un comportement en cyclage très stable, avec une très bonne capacité de rétention, et ce matériau vous donne une capacité de 240 mAh par gramme. D'où la possibilité qu'avec les polymères, eh bien on peut avoir de très bonnes tenues en capacité, mais également une bonne stabilité thermique. Mais l'avantage essentiel de ce matériau, eh bien, c'est qu'il peut être produit à partir de la biomasse. En effet, si vous regardez le rhodinazate lithium, le matériau dont je viens vous montrer les performances, il peut être préparé à partir du myo-inositol, qui est un produit finalement naturel, puisqu'il peut être obtenu à partir de l'acide phytique, qui tout simplement est un composant du jus de macération du maïs, qui est finalement un élément secondaire de tout le procédé, tout simplement, de considérer à préparer des biocarburants. D'où vous voyez ici que l'on peut finalement préparer un matériau d'électrode à partir de la biomasse et avoir des comportements relativement corrects. Alors bien sûr, maintenant, l'avantage de la chimie organique, c'est qu'on va pouvoir faire un grand nombre de substitutions et on va pouvoir tout simplement s'amuser en jouant avec les hétéroatomes, c'est-à-dire en utilisant des coupes à tracteurs ou des coupes donneurs, comme vous pouvez le voir ici. Et bien, on va pouvoir tout simplement substituer sur ces cycles, mais garder toujours le groupe actif principal et modifier ses potentiels redox. Et vous voyez ici le comportement du chloraniate lithium, dans lequel vous avez une capacité de 140 et un potentiel de 2,2 volts. Donc ça, c'est un aspect pour modifier les potentiels redox de ces composés. Mais une autre approche que l'on peut prendre, c'est que on peut changer le groupe actif. Et pour ce faire, eh bien, on a découvert toute une autre famille de matériaux qui, dans cette fois, n'ont pas une fonction carbonyle, mais une fonction carboxylate, et qui se sont trouvés d'être très réactifs à bas potentiel. Vous avez ici le dilithium terephthalate, qui est également un autre matériau que l'on peut préparer à partir de la biomasse, et qui, comme vous pouvez voir ici, présente des capacités très intéressantes, voisines de celles du carbone, et a des potentiels relativement faibles. De même, une molécule synthétisée récemment montre également des potentiels d'insertion relativement faibles, 0,6 volts, qui a des avantages au point de vue utilisation. Alors ces matériaux, eh bien, je vous ai dit, ils travaillent par un mécanisme d'insertion et on peut montrer ça par des expériences au laboratoire qui consistent à regarder l'évolution de la structure en fonction du cyclage et également l'évolution de la radicalisation de ce matériau par des mesures de RPE. Alors ce que vous regardez ici, c'est la structure du composé. Vous voyez, c'est une structure dans laquelle, je peux dire, des structures lamellaires. Les molécules s'empilent de façon à tout simplement avoir un couplage pi-pi maximal. Et lorsque maintenant on va faire du cyclage, eh bien, on s'aperçoit, voilà le produit au départ, dès qu'on va mettre 8 tiens de ce composé, vous avez une modification de la structure. Ça veut dire qu'en ce cas, vous avez les feuillets qui vont glisser les uns sur les autres. Et ensuite, eh bien, lorsqu'on recharge, on revient à la structure initiale. Ça veut dire qu'en ce cas, on a réellement une réactivité avec une insertion de lithium. Alors, pour connaître plus le mécanisme, eh bien, dans ce cas, on va utiliser des techniques plus précises pour regarder l'électron dans la molécule. Et c'est pour ça qu'on va utiliser des mesures de RPE. Et là, vous avez tout simplement les mesures de RPE qui ont été prises lors du cyclage. Au départ, eh bien, on n'a pas de signal. Lorsqu'on décharge, eh bien, on va trouver un grand signal, c'est le signal vert, qui ensuite va diminuer, ainsi de suite. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, le mécanisme consiste à l'insertion de lithium et la création, tout simplement, d'anions radicalaires. Donc, voilà, si vous voulez, le type de recherche que l'on peut faire sur ces composés. Et comme je vous l'avais montré au premier cours, on peut établir également des échelles de potentiel vis-à-vis de ces différents composés. Et ici, vous avez le potentiel en fonction de la capacité pour les différents composés dont je vous ai parlé. Et vous pouvez voir ici qu'on peut, dans ce cas, avoir des composés qui vont être oxydants ou des composés réducteurs. Et bien sûr, sur les mêmes bases que je vous ai montrées dans le cas des composés inorganiques, si vous voulez construire un accumulateur à ion lithium, eh bien dans ce cas, vous allez prendre directement un composé qui va être un composé très oxydant avec un composé très réducteur et vous allez pouvoir construire une batterie à ion lithium. C'est ce que nous avons fait au laboratoire. Et dans ce cas, on obtient l'accumulateur que j'indique ici, accumulateur qui a une bonne stabilité, une bonne autonomie en cyclage, mais dont la performance est modeste. Performance est modeste pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas tout simplement encore les bons oxydants et les bons réducteurs pour coupler. D'où la densité d'énergie n'est pas encore acceptable, le voltage est trop faible, et dans ce cas, bien sûr, c'est de trouver l'issue, c'est de trouver des matériaux hautement oxydants et pouvant servir de réservoir de lithium, comme dans les technologies à ion lithium. C'est-à-dire, ce que l'on voudrait,
c'est les composés de cette formule ou d'autres formules, des composés organiques, dans lesquels on pourrait oxyder et où on aurait cette composition. Mais on ne veut pas seulement des composés qui, lors de l'oxydation, vont tout simplement se dégrader et générer de l'oxyde de dioxyde de carbone et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, l'approche qui se poursuit dans le cas des matériaux d'électrode. Alors maintenant, eh bien, je vais regarder ce qui se passe au niveau des électrolytes polymères. C'est-à-dire qu'on va voir les polymères solides ou les polymères hybrides ou gélifiés. Et on va voir comment ces matériaux ont pu, tout simplement, intégrer les technologies à ion lithium. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais tout d'abord regarder les mécanismes de transport que l'on a dans différentes électrolytes, selon qu'on ait des électrolytes liquides, selon qu'on ait des électrolytes polymères ou des électrolytes tout solides. Alors dans ce cas, le transport va avoir lieu, si je prends un électrolyte tout solide, où vous allez avoir des ions solvatés, dans lesquels ici vous avez votre matériau intercalation, et lors de la charge ou la décharge, vous allez avoir une désolvation des ions, libérant les molécules et libérant bien sûr les anions. Et cela va être un phénomène réversible. Si maintenant je prends le cas des polymères, eh bien dans ce cas, les polymères vont par eux-mêmes solvater les sels de lithium, et on va avoir un transport par solvation ou désolvation qui va être associé finalement au mouvement des chaînes polymériques. Et dans ce cas, vous avez directement un procédé, comme indiqué ici, où vous avez cette désolvation par tout simplement un mouvement des chaînes polymériques. Et finalement, le troisième cas, qui est le cas des électrolytes céramiques, des électrolytes tout solides, où dans ce cas, eh bien, la conduction va avoir lieu selon défaut dans le réseau, eh bien, on a ce qu'on appelle une conduction par sodium. Et vous voyez que dans ces deux cas, eh bien, dans le cas des polymères ou dans le cas des électrolytes céramiques, eh bien, on a toujours directement une matrice dans laquelle on n'a pas de déplacement, c'est-à-dire que la matrice reste intacte lorsqu'on a tout simplement ces transports d'ions dans ces différents types d'électrolytes. Alors, au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a trois classes d'électrolytes qui sont utilisées dans les accumulateurs, qui sont indiquées ici. Vous avez tout d'abord l'électrolyte polymère sec, dont on va voir sous peu ce que c'est et comment celui-ci se forme. Vous voyez ici, ce bol de spaghetti dans lequel vous voyez toutes les chaînes qui sont directement reliées ici par des liaisons de covalence. Vous avez ici l'électrolyte polymère hybride, dont on va discuter un peu de détails, qui va finalement, dans ce cas, prendre, si je peux dire, le meilleur des deux mondes, l'aspect, dans ce cas, polymère, l'aspect cristallin et l'aspect amorphe. Et enfin, ce que l'on utilise dans tous les accumulateurs aujourd'hui, ce qu'on appelle le cell guard, qui est la membrane, qui est un séparateur, qui, dans ce cas, est une membrane polymérique structurée, c'est-à-dire une membrane qui est formée d'un mélange de polyéthylène et de polypropylène pour des raisons bien particulières liées à la sécurité de l'accumulateur. C'est-à-dire que, dans ce cas, si vous allez à des températures trop élevées, eh bien, il va y avoir une fusion de ces polymères, ce qui fait que, dans ce cas, tous ces trous, cette capillarité va se former et ça va tout simplement servir comme aspect sécuritaire pour cette membrane. Donc voilà, si vous voulez, les différents types de polymères. Alors là aussi, je vous ai parlé tout à l'heure comment les polymères conducteurs ont pu directement avoir un impact dans les accumulateurs. Maintenant, laissez-moi vous faire un peu d'histoire très, très brève de comment finalement ces conductions ou ces polymères ont pu également s'implanter dans le domaine des accumulateurs. Et là aussi, eh bien, on remonte à l'âge plastique, si je peux dire, dans les années 1968, où de nouveau Walter Klott de DuPont eh bien, a découvert nafion que vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est une membrane conductrice polymérique qu'on utilise actuellement dans beaucoup de piles à combustible, notamment les piles à combustible à basse température, connues sous le nom de PEM, ainsi de suite. Ensuite, dans le cas eh bien, des accumulateurs au lithium, les premiers travaux vont aux années 1973 et sont dus à Peter Wright et Daniel Fenton, où dans ce cas, eh bien, ils ont montré l'existence de complexes linéaires entre le polyoxydéthylène et les métaux alcalins. Ils ont observé que la conductivité associée eh bien, était tout simplement ou variée en fonction de la cristallinité des polymères. Tout ça, ce n'était des observations. Il a fallu attendre les années 1978 pour que Michel Armand et son groupe eh bien, proposent finalement la possibilité d'utiliser ces polymères pour les technologies batteries au lithium ou au ion lithium. Et dans ce cas, de nombreuses études ont été tout simplement effectuées pour comprendre les mécanismes de conduction à l'intérieur de ces polymères
Et vous avez ici, vous voyez, comme vous pouvez voir ici, un mécanisme dans lequel vous avez tout simplement le mouvement des lithiums, qui sur cette image, malheureusement, n'est pas opérationnel, qui est associé finalement au mouvement des segments, faire en sorte que vous pouvez avoir un transport du lithium long des chaînes. Mais dans ce cas, eh bien, la conductivité est due à une phase amorphe, d'où l'importance de la transition vitreuse des polymères avec lesquels travailler, et où on a une indépendance selon la loi de Vogel, Tamman, Völker, qui est finalement une loi comportementale en température associée tout simplement au volume libre de l'espace dans lequel vous n'avez pas besoin d'énergie pour déplacer les différents systèmes et différents ions. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'historique des polymères. Alors, suite à cela, eh bien, bien sûr, ces polymères électrolytes ont des avantages énormes pour la conception d'un accumulateur, puisqu'on peut voir ici, ils sont non volatiles, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de fuite. De plus, on peut dans ce cas utiliser le lithium métallique, alors que vous avez dit auparavant que dans le cas des électrolytes liquides, eh bien, il y avait la croissance de dendrites. Dans ce cas, eh bien, le polymère va jouer le rôle de barrière et va limiter cette croissance dendritique, abaisse le coût de fabrication de l'accumulateur, et on peut avoir des cellules renforcées grâce à une construction tout solide, un emballage allégé et des formes flexibles. Et bien sûr, c'est une technologie dont la sécurité sera améliorée par rapport à la technologie lithium-métal ou à lithium-métal à électrolyte liquide. Mais la difficulté en tout ça, c'est que la conductivité, comme je l'ai mentionné, est relativement faible, de 10-5 à 10-6. La raison pour laquelle, eh bien, il va falloir fonctionner à des températures de 70 ou 80 degrés C. Et c'est dû à cela que peu d'industriels se sont intéressés à cette technologie polymère. Cependant, cette technologie polymère qui doit fonctionner à 80 degrés C, ça a été finalement les travaux d'Hydro-Québec, dont ici je vous ai fait une historique des différents points marquants de cette compagnie, où le premier accumulateur, la première démonstration, a eu lieu en 1982. Et vous voyez, 1982, c'était le système lithium, polyéthylène oxyde et TIS2. Des cellules de 10 watt-heure, des cellules de 100 watt-heure et des modules de 2 kWh ont également été effectués. Du 20 kWh pour également un véhicule électrique. Mais, comme vous pouvez voir ici, cette histoire s'est mal terminée puisque la compagnie a fait faillite et elle a été rachetée par une compagnie dont vous connaissez tous, qui est la compagnie Bolloré, dans laquelle vous avez beaucoup entendu de nombreuses annonces qui ont été faites sur la commercialisation des véhicules électriques basée sur la technologie lithium polymère, de nouveau sur une technologie qui travaillera à 60 degrés C. Et tout récemment, il se peut que cette technologie soit celle qui sera utilisée dans le projet Autolib, si l'on en croit la publicité qui a été faite. Donc voilà, si vous voulez, la situation au niveau de la technologie polymère. Mais là, le point le plus important, une fois de plus, c'est la limitation en température. C'est-à-dire, on est obligé de chauffer pour pouvoir directement avoir un accumulateur qui fonctionne. Alors bien sûr, toute la recherche, par la suite, a été de voir si on pouvait ramener ou faire des systèmes identiques, mais qui pouvaient travailler à température ambiante. Alors pour cela, eh bien, plusieurs approches ont été testées. Alors bien sûr, tous les polyméristes ont regardé la chimie des matériaux et ont essayé différentes stratégies pour finalement pouvoir obtenir des conductivités ioniques importantes à température ambiante. Vous voyez ici, introduction d'irrégularité dans la chaîne polymérique, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit qu'en ce cas, vous avez une bonne conduction si on arrive à augmenter la partie amorphe de ces chaînes polymériques, d'où par conséquent, toute stratégie consistant à introduire un désordre dans ces chaînes polymériques semblait a priori efficace. Cependant, comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'on met des chaînes PO coupées par des groupes oxyméthylènes, ou l'élaboration de copolymères PO-PPO, c'est-à-dire polypropylène oxyde, et ainsi de suite, eh bien, dans ce cas, malgré tous ces travaux laborieux, colossaux, eh bien, au jour d'aujourd'hui, je peux dire qu'on a eu 30 ans de frustration et on n'a pas encore trouvé le moyen d'augmenter les conductivités ioniques de ces polymères avec des valeurs décentes à température ambiante, de façon que l'on puisse avoir des applications à 25 degrés C. Voilà, si vous voulez, la limitation de ces systèmes. Alors, d'autres approches ont consisté à passer la même systématique que je vous ai mentionnée auparavant dans le cas des polymères conducteurs. Et bien maintenant, on va tout simplement passer
à des matrices composites. Matrice composite dans laquelle on va avoir deux sortes d'approches. La première approche, où dans ce cas, on va prendre un polymère, toujours pareil, les PEO, que l'on va charger en molécules inorganiques divisées, telles que le SiO2. Et dans ce cas, finalement, on va jouer sur les interactions acide-base de Lewis au sein de cette matrice, dans laquelle, dans ce cas, eh bien, l'anion va tout simplement se fixer au site actif de SiO2, de même que la partie polymérique, ce qui va tout simplement libérer le lithium et, dans ce cas, pouvoir conduire à une conductivité ionique plus importante. Mais malgré cela, vous voyez, le gain que l'on obtient en faisant ce jeu est relativement simple, puisqu'on passe de 10-5 à 10-4. D'où, là aussi, ce n'est pas encore satisfaisant, et cette approche se développe beaucoup dans les laboratoires, mais n'a jamais directement franchi la porte du laboratoire pour des applications industrielles. Alors, une autre approche qui va être plus fructueuse est l'approche qui va constituer à utiliser du plastifiant. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un polymère, et dans ce polymère, eh bien, on va rajouter un plastifiant, c'est-à-dire une matière qui va tout simplement lui apporter des propriétés de conduction et qui va modifier sa forme et son comportement. Pour cela, eh bien, il va falloir choisir correctement les différents plastifiants. Il faut des plastifiants qui vont être miscibles avec le polymère, qui ont une faible tension de vapeur, qui sont électrochimiquement inertes vis-à-vis des matériaux d'électrode et qui ont une autoconstante électrique pour, bien sûr, dessoudre les sels de lithium. Tout ça, ça va être une propriété importante. Et vous allez voir que si on fait cela, eh bien, on peut obtenir des valeurs relativement intéressantes à température ambiante. Mais la difficulté, eh bien, va être tout simplement de choisir correctement le plastifiant. Et pour choisir ce plastifiant, cela va dépendre, finalement, des types de membranes que l'on pourra regarder et que l'on aura des membranes plastiques ou tout simplement des gels. Je vais maintenant faire la distinction entre une membrane ou un polymère hybride ou un polymère gélifié ou un polymère plastifié. Et cela, eh bien, ça remonte ou ça repose sur des notions très importantes de nombre de donneurs du polymère et de celui du solvant. Et on va considérer différents exemples. Vous voyez ici, je prends tout simplement mes polymères, qui sont les chaînes en noir, avec ici le lithium en bleu, vous avez ici le propylène carbonate et les anions. Maintenant, si je regarde directement dans ce cas, si mon DN du solvant est supérieur, mon nombre d'honneur du solvant est supérieur à mon nombre d'honneur du polymère, dans ce cas, je vais avoir des interactions polymère-solvant relativement faibles, et ça veut dire que le mouvement ou le transport va avoir lieu par un transport directement en solution par le solvant. Ça veut dire que vous avez une matrice, finalement, dans laquelle vous avez le polymère, et vous avez finalement des petits lacs de liquide avec des interactions fortes, ou enfin faibles, excusez-moi, avec les chaînes. Et ça, eh bien, c'est le cas, ce que je vais appeler la membrane plastique. Ensuite, vous avez la situation opposée, si je peux dire, dans laquelle maintenant, eh bien, le nombre d'honneur du polymère va être supérieur à celui du solvant. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir des interactions polymère-cation relativement importantes, et le solvant ne sera pas entraîné, mais finalement, c'est le polymère maintenant qui va jouer tout simplement le rôle de conduction. Okay. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir ce que j'appelle un gel. Et si on regarde maintenant les différents solvants, les différents polymères, et on regarde finalement leur nombre de donneurs, eh bien, on va pouvoir tout simplement classifier ce qui se passe. Si par exemple, je prends le polymère qui est PVDF, qui est un fluorure de polyvinyl, vous voyez qu'en ce cas, le nombre de donneurs voisin de zéro, qui est inférieur à celui des carbonates. Rappelez-vous, les carbonates, eh bien, sont tout simplement les solvants que je vais mettre, propylène carbonate, éthylène carbonate, déméthyl carbonate. Et si je prends le PO, eh bien, qui est un autre polymère, dans ce cas, le nombre d'honneur est relativement important. Ça veut dire que si j'utilise le PVDF, eh bien, j'aurai tout simplement une membrane plastique, alors que si j'utilise maintenant le PO, j'aurai plutôt un gel. Et vous allez voir, dans ce cas, la difficulté entre avoir une membrane plastique et un gel vis-à-vis des applications. En effet, tous les chercheurs, pas mal de chercheurs, ont essayé d'utiliser ces membranes gel pour développer des accumulateurs. Et pour faire cela, eh bien, c'est tout simplement ce qui a été utilisé, c'est-à-dire que dans ce cas, on utilise un solvant, bas point de pollution, un sel de lithium, lithium PF6 ou lithium perchlorate, des solvants, comme indiqué ici, et les polymères dont j'ai mentionné, vous voyez ici PO. Et généralement, on mélange tout ça et l'on obtient, comme je vous l'ai dit, un gel, c'est-à-dire tout simplement une masse visqueuse qu'on a du mal tout simplement à induire ou à former un film d'électrolyte. En effet, pour former un film d'électrolyte, eh bien, il faut, dans ce cas, utiliser des moyens de réticulation pour renforcer mécaniquement ces membranes.
D'où ce procédé, dont pas mal de chercheurs avaient travaillé plus de 10 ou 15 ans, n'a jamais pu conduire finalement à la réalisation d'une batterie plastique commerciale. Par contre, ce qu'il fallait, eh bien, il fallait une membrane polymérique qui soit facile à élaborer, qui soit robuste mécaniquement, en utilisant des polymères abondants et capables d'absorber facilement de l'électrolyte liquide, c'est-à-dire ayant une bonne conduction. Et de plus, il fallait un procédé d'élaboration qui soit faisable à l'air. Donc finalement, voilà le cahier des charges que l'on avait lorsqu'il fallait dessiner une telle membrane. Alors maintenant, sur les bases de ce que je vous ai dit, rappelez-vous, je vous ai dit que vous avez des membranes plastiques, des membranes gélifiées. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser tout simplement le PO, mais on va tout simplement utiliser un solvant différent ou un polymère différent qui va être le PVDF. Et maintenant, si je prends ce PVDF, voilà directement la structure de ce polymère, dans la formule indiquée ici. Si on regarde ses caractéristiques, c'est un polymère semi-cristallin, un point de fusion aux alentours de 170 degrés C, ça veut dire qu'en ce cas, on pourra tout simplement opérer ou en faire des films plastiques relativement simplement, une large fenêtre de manutention, puisque la décomposition n'est qu'à 340 degrés C, résistance à l'oxydation, a une très bonne stabilité électrochimique, parce que ce composé eh bien, avait été utilisé et est utilisé comme liant aujourd'hui dans les électrodes négatives et positives, et bien sûr, il est disponible en large quantité. Cependant, lorsqu'on fait ça, ce polymère présente la plupart des figures de mérite que l'on a besoin, mais il a des difficultés. C'est que son point de fusion, eh bien, 170 degrés, c'est encore assez élevé pour en faire directement une manutention correcte. La cristallinité est trop élevée, c'est-à-dire que si on a une cristallinité trop élevée, dans ce cas, l'absorption d'électrolytes va être faible, d'où la prise d'électrolytes sera faible, et bien sûr, si c'est vraiment cristallin, la solubilité sera faible. D'où, voilà finalement le problème qui est posé, d'où comment, en jouant sur la chimie des polymères, contourner cette difficulté. Et bien pour contourner cette difficulté, on va jouer sur la richesse de cette chimie et passer sur des copolymères. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser un copolymère, qui est un copolymère de PVDF, dans ce cas, où on va avoir des groupes d'hexafluoropropylène. Ça veut dire qu'en ce cas, on va tout simplement introduire du désordre dans ce polymère, d'où on va modifier sa cristallinité et également ses propriétés physico-chimiques. D'où par conséquent, on va tout simplement, dans ce cas, regarder ces polymères et voir quel va être l'effet de cet hexafluoropropylène sur ses propriétés physico-chimiques. Et bien, si on regarde ça, ici, je vous ai fait deux échelles. Vous avez directement différentes sortes de copolymères dont vous avez la température de fusion. Vous avez ici le pourcentage de cristallinité et ici, finalement, le taux d'hexafluoropropylène, c'est-à-dire de copolymères dans ce matériau. Et vous voyez très bien que si maintenant, bien, j'augmente mon taux d'hexafluoropropylène, dans ce cas, je vais baisser la cristallinité. Et si je baisse la cristallinité, eh bien, dans ce cas, je vais modifier tout simplement le point de fusion du polymère, ça veut dire qu'il sera tout simplement utilisable à plus basse température. Je vais également obtenir une matrice qui sera plus flexible et également avoir un composé dans lequel la prise en électrolyte sera plus grande, car de nouveau, ce sont les zones amorphes, non cristallines, qui vont tout simplement être responsables pour l'absorption d'électrolytes. Et effectivement, si maintenant je regarde de nouveau pareil, ce polymère, eh bien, il va falloir le solubiliser. Et pour le solubiliser, il va falloir choisir des solvants. Et ces solvants vont tout simplement dépendre de la cristallinité de ce polymère. Vous voyez qu'ici, si j'utilise directement le pur PVDF, eh bien, je suis obligé d'utiliser des solvants qui ne sont pas les plus sympathiques à manipuler. Par contre, si maintenant j'augmente mon taux de copolymérisation et mon taux de HFP dans ces matrices, eh bien, vous pouvez voir qu'on va pouvoir manipuler tout simplement avec des solvants relativement communs que sont l'acétone et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on aura des solubilisations beaucoup plus rapides et on aura des stabilités de solution nettement plus longues. Donc, si vous voulez, c'est sur ces principes que finalement, on a choisi des polymères contenant aux alentours de 6 à 10% de hexafluoropropylène, car ils comportent toutes les propriétés requises pour avoir une manutention adéquate de ces membranes polymériques. Et si on fait cela, eh bien, on obtient cette membrane plastique
qui est constitué de ce copolymère PVDF-HFP, dans laquelle, vous voyez ici, vous avez des zones cristallines, qui sont finalement la partie PVDF, et des zones amorphes, qui sont la partie HFP, dans laquelle vous avez les copolymères. Et on va pouvoir tout simplement ajuster, en changeant le taux de ce copolymère, les quantités de zones cristallines vis-à-vis des quantités de zones amorphes. Et rappelez-vous, les zones amorphes sont les zones simplement qui vont tout simplement absorber cet électrolyte liquide. D'où, lorsque je construis un accumulateur, eh bien, si je veux une conduction élevée, je vais tout simplement essayer d'avoir le plus de zones amorphes possible pour absorber le plus de polymères possible et avoir une diffusion importante. Quand, dans ce cas, excusez-moi, et dans ce cas, vous voyez que la phase cristalline, mais toujours pareil, elle joue ce rôle directement de matrice solide qui va assurer les propriétés mécaniques de cette membrane. Donc voilà, si vous voulez, l'importance de cela. Alors maintenant, eh bien, si on fait ça, eh bien, effectivement, on peut obtenir des matrices avec de très bonnes propriétés conductrices, mais pas encore suffisant. C'est la raison pour laquelle eh bien, on va encore utiliser, si je peux dire, une astuce qui a été utilisée auparavant, je vous ai mentionné, où on va maintenant introduire des nanoparticules inorganiques à l'intérieur de ces matrices. Et on va y introduire, par exemple, des nanoparticules de SiO2, de silice. Et pourquoi cela ? Eh bien, tout simplement pour augmenter, une fois de plus, la quantité d'électrolytes qui peut être absorbée dans ces milieux. Et en effet, si on fait cela, eh bien, voilà tout simplement les mesures de conductivité ionique de cette membrane plastique, en rouge, en fonction du taux de silice, comme vous pouvez voir ici, et également la valeur d'un électrolyte liquide. Et vous voyez ici qu'on est à des valeurs relativement voisines lorsqu'on a un électrolyte purement liquide ou alors une membrane plastique, comme indiqué ici, où on a des valeurs de 1,5, comme était plus dispensé, 3 millisiemens par centimètre, comparé à 3 pour la technologie tout simplement purement liquide. D'où, grâce à cela, eh bien, on va tout simplement pouvoir construire des accumulateurs plastiques. C'est-à-dire qu'on a une membrane qui a les propriétés requises pour, au niveau conduction, pour avoir un bon fonctionnement et une bonne tenue en puissance. Alors pour faire cela, eh bien, maintenant je vous ai montré la nécessité d'avoir tous les ingrédients. On va tout simplement utiliser l'acétone, dans lequel on va aller mettre des particules de silice nanométriques. Ensuite, on va aller mettre notre matrice polymère HFP, qui va tout simplement se dissoudre à l'intérieur de cet acétone. Et finalement, quelque chose qui est très important, qui est un plastifiant. Et ce plastifiant, c'est le dibutylphtalate, qui est un composé organique qui va tout simplement servir pour introduire une porosité à l'intérieur de ma membrane. Rappelez-vous, dans les procédés initiaux, les groupes précédents avaient introduit un sel de lithium, c'est-à-dire l'électrolyte, comme plastifiant. Dans ce cas, eh bien, on va tout simplement introduire un plastifiant ne contenant pas le lithium. Et cela a un avantage énorme, car ça va nous permettre tout simplement de pouvoir manipuler dans des conditions normales, c'est-à-dire dans un environnement normal. Et dès qu'on fait ça, eh bien, on obtient une pâte visqueuse, c'est-à-dire qu'on va obtenir un film plastique, dont, vous allez porter un exemple ici, voilà tout simplement l'aspect de ce film plastique. Ça, c'est un film plastique qui contient 50% de liquide, de la silice, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on va utiliser. Et l'astuce de ce procédé est que, tout simplement, eh bien, on va mettre un plastifiant, et ce plastifiant, eh bien, on va le retirer. Et on le retire en y mettant un solvant, et lorsqu'on va retirer ce plastifiant, eh bien, on va obtenir, dans ce cas, une membrane poreuse qui va être ensuite utilisée pour absorber notre électrolyte. Ça veut dire que tout ça, tout ce procédé, est basé sur le fait que tout plastique contient X% de liquide. Et on va tout simplement faire une extraction pour obtenir une membrane poreuse. Et je vous fais une démonstration relativement simple de ce qui se passe. C'est-à-dire que je prends dans ce cas la membrane polymérique, la membrane plastique que l'on utilise dans les batteries à ion lithium, et je vais tout simplement l'extraire dans un solvant qui, dans ce cas, va être l'éther. Et lorsque je fais ça, eh bien, vous allez voir ce qui va se passer. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans ce cas, eh bien, j'avais tout simplement de la silice. Vous voyez ? Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en ce cas, vous voyez que la membrane, si vous comparez avec la membrane que j'ai mentionnée auparavant, vous voyez, vous avez une membrane qui est relativement transparente et celle-ci, tout simplement, redevient blanche.
Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans ce cas, j'ai tout simplement sorti le plastifiant. J'ai sorti le plastifiant, ce qui fait que maintenant, eh bien, j'ai tout simplement une membrane poreuse. Et cette membrane poreuse, eh bien, c'est celle-là qu'on va utiliser pour faire nos accumulateurs. C'est-à-dire, on va pouvoir faire tout le procédé en dehors, si je peux dire, à l'air, et ce n'est qu'à la fin qu'on va introduire l'électrolyte. D'où, par conséquent, voilà tout simplement le retrait du plastifiant à l'éther. Voilà, vous avez le, voilà le film poreux. Et ensuite, ce film poreux, eh bien, je vais, bien sûr, cette fois, en boîte sèche, le retremper ou le remettre dans mon électrolyte. Okay. Et vous voyez, il reprend directement l'électrolyte à une vitesse très rapide. Donc voilà, si vous voulez, le principe de cette batterie plastique. Alors, c'est maintenant ce que je vous ai montré, eh bien, il va falloir le faire tout simplement pour tout l'accumulateur. C'est-à-dire, là, on a fait tout simplement que pour la membrane plastique, et maintenant, eh bien, il va falloir que je fasse cela pour l'électrode positive et l'électrode négative. Eh bien, on va tout simplement faire, par la même façon, une manip d'induction dans laquelle on va faire ces électrodes. Et là, vous voyez tout simplement les différents composants de l'accumulateur, dans lesquels vous avez une grille de cuivre, une grille d'aluminium. Une grille, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut faire un procédé d'extraction, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir absorber et retirer le liquide, d'où automatiquement, on ne peut pas utiliser une feuille, il faut utiliser une grille. Vous avez l'électrode négative plastique, l'électrode positive, et vous allez mener tous ces feuillets ensemble, et vous allez utiliser tout simplement une méthode de laminoir qui a une température de 120 degrés, comme lorsque vous allez au pressing. Vous allez tout simplement assembler tous les feuillets ensemble. Et vous allez créer finalement cette batterie plastique comme indiqué. Alors maintenant, l'avantage de cette batterie plastique, on peut l'avoir ici, eh bien vous voyez, vous avez une matrice plastique, cette fameuse matrice PVDF-HFP dont je l'ai mentionné auparavant, avec d'un côté en bleu, eh bien, le carbone qui est inséré, qui va être électronégative, et vous avez de l'autre côté, à l'opposé, l'électrode positive. Et voyez ici, vous avez la région parfaitement d'électrolyte polymère. Et l'avantage de cette technologie, c'est que vous n'avez pas directement d'interface macroscopique. Tout se passe à l'échelle microscopique. D'où, une fois que vous êtes arrivé ici, eh bien, vous allez tout simplement assembler les accumulateurs, comme vous pouvez le voir ici, et ensuite, eh bien, préparer les batteries, ou dans ce cas, vous allez utiliser un sachet plastique, c'est-à-dire des feuilles d'aluminium, dans lequel vous avez, dans ce cas, une feuille d'aluminium qui va être prise en sandwich entre deux plastiques. D'où, automatiquement, vous pouvez faire un soudage parfait de cet accumulateur, et vous avez ce qui a été développé, qui est la fameuse technologie plastique lithium-ion, qui est actuellement commercialisée. Donc voilà, si vous voulez, à peu près, comment on peut utiliser ces polymères dans les accumulateurs d'aujourd'hui. Alors, je vais arriver aux conclusions de cet exposé, dans lequel j'ai tenté de vous montrer le rôle et l'impact des polymères dans les technologies lithium-ion. Je vous ai montré que les polymères peuvent être utilisés comme liant de la matière active au sein des électrodes, mais également comme composant des séparateurs actuels, où on a, je répète une fois de plus, du polypropylène et du polyéthylène. L'utilisation des polymères tout solides à base de PO, c'est la technologie Bolloré qui est en développement, où il reste encore le problème important de la conductivité limitée à température ambiante. Et là aussi, il y a de nombreux travaux à l'heure actuelle basés sur l'utilisation de blocs polymères, voire de polyélectrolytes pour améliorer cela, mais aucun d'entre eux n'ont pour cela abouti. Et enfin, je vous ai montré l'utilisation des polymères hybrides ou gélifiés qui a conduit au développement de la technologie plastique à ion lithium. Ensuite, eh bien, je vous ai montré l'utilisation de composés organiques monomères ou polymères comme matériaux d'électrode positives et négatives. Je vous ai montré ce qui pouvait être réalisable avec les polymères conducteurs. Et le cas des accumulateurs a été la première tentative d'application des polymères conducteurs. Mais cette application n'a point réussi. Et aujourd'hui, bien sûr, les OLED, les diodes électroluminescentes, et ainsi de suite, ont pris le dessus, tirant à profit ces fameux polymères conducteurs. Je vous ai montré également les électrodes composites organiques inorganiques, dans lesquelles, dans ce cas, on essaie finalement de tirer le meilleur des deux mondes, l'aspect organique et l'aspect inorganique pour sa capacité. Et également, je vous ai montré les électrodes organiques qui satisfont le concept du développement durable, dans lequel on peut obtenir, les molécules sont bien choisies, des performances voisines des électrodes organiques. Elles sont plus écologiques, puisqu'elles vont être préparées à partir de la biomasse, ce
sur les préceptes en chimie verte, comme je vous ai montré. Elles sont renouvelables. Et, bien sûr, l'analyse du coût de cycle de vie reste nécessaire sur cela. Comme vous pouvez voir ici, le procédé ou le cycle de ces électrodes organiques est indiqué ici. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir simplement utiliser le CO2 par des méthodes de photosynthèse pour préparer votre matériau, votre biomasse, et ce CO2 sera régénéré lors, tout simplement, de la reformation de cette biomasse. Bien. Et, bien sûr, ce procédé est encore à l'état d'ébauche. Un grand travail est encore nécessaire. Et des solutions à plus court terme eh bien, vont consister tout simplement au recyclage des batteries et la récupération de leurs différents constituants chimiques, métaux et autres. Et c'est le prochain exposé que vous allez voir où, comment, ou ce qui se passe au niveau industriel au jour d'aujourd'hui pour tout simplement récupérer les batteries et également les différents constituants chimiques qui les constituent. Donc voilà, si vous voulez, à peu près ce que je voulais vous dire sur l'aspect impact des polymères et des molécules organiques dans les accumulateurs à ion lithium d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions...